Le régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesse fait partie du système de sécurité Lexus Plus et du système de sécurité Lexus Plus 2.0 de prochaine génération qui est disponible sur certains véhicules Lexus. Le régulateur de vitesse dynamique à radar ajoute au régulateur de vitesse conventionnel une fonction de maintien de la distance entre les véhicules qui ajuste automatiquement votre vitesse pour garder une distance sécuritaire avec le véhicule qui précède. Un capteur radar monté à l'avant de votre Lexus détecte la présence d'un véhicule qui la précède et évalue la distance qui les sépare. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer et maintenir une vitesse et une distance appropriées jusqu'à la vitesse maximale établie pour le régulateur de vitesse. Le capteur radar est situé derrière le logo Lexus sur la calandre avant. Il est important de toujours garder cette partie du véhicule bien propre pour assurer le bon fonctionnement du système. Le réglage, l'ajustement et l'annulation de la vitesse établie s'effectuent de la même manière qu'avec le régulateur de vitesse conventionnel à l'aide du levier monté sur la colonne de direction ou des commandes au volant, selon le modèle. Dans les deux cas, le volant est doté d'un bouton qui permet au conducteur de définir la distance devant être maintenue entre les véhicules. Trois distances sont disponibles: longue, moyenne et courte. La distance longue est automatiquement sélectionnée chaque fois qu'on démarre le véhicule. Pour choisir une autre distance, le conducteur doit appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de contrôle de la distance jusqu'à ce que la distance souhaitée apparaisse sur l'écran multifonction, accompagnée de la vitesse établie. Lorsqu'il n'y a pas de véhicule devant, votre Lexus roule à la vitesse préétablie. Lorsqu'il y a un véhicule devant, un symbole s'allume sur l'écran multifonction et votre Lexus maintient la distance préétablie derrière ce véhicule lorsqu'il ralentit ou accélère jusqu'à la vitesse maximale préétablie. La distance préétablie augmentera ou diminuera automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule et pourra augmenter ou diminuer sur les longues pentes. Avec le régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesse, si le véhicule qui précède s'arrête, votre Lexus s'arrêtera complètement à une distance de 3 à 5 mètres, 10 à 16 pieds, derrière lui. Une fois que le véhicule qui précède a redémarré, on peut réactiver le système avec les mêmes pré-réglages en appuyant simplement sur l'accélérateur ou en activant l'interrupteur Resume. En cas d'intempérie comme la pluie, la neige ou le brouillard intense, le système de gestion de la distance entre les véhicules peut se désactiver automatiquement. Le conducteur peut aussi désactiver le régulateur de vitesse en appliquant les freins, en mettant l'interrupteur du régulateur de vitesse sur la position annulée, en appuyant sur l'interrupteur principal du régulateur de vitesse ou en faisant passer le levier de vitesse de la position D à la position N. Le régulateur de vitesse dynamique à radar est un système d'aide à la conduite recommandé pour l'utilisation sur l'autoroute seulement. Il ne remplace pas une conduite prudente et attentive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Lexus.